Baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Bon bah Chouquette a dit oui, bah allez, parce qu'il fallait que je lance le début du vlog, parce que je suis en train de lui parler et que je la saoulais. Non, je voulais. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes le jeudi. Elle est avec moi. Nous sommes le jeudi 9 février. Il est 14h. Et nous sommes on the road again. On the road again. N'est-ce pas, Chouquette? Yes. On va à Gérardmer. Du coup, on est sur la route. On arrive dans une heure, tout pile. Donc, ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais pas. Oui, j'ai fait les valises. Donc, du coup, si ça vous intéresse. Et ben je vous ai filmé la valise, toutes les valises en fait pour montrer mon organisation hier du coup, et je vais vous les intégrer maintenant, comme ça au moins vous les aurez, et puis ça permettra, si vous avez envie de voir comment je fais ma valise, c'est vachement intéressant. Il se trouve tous les produits de soins, donc c'est uniquement pour moi, à part le dentifrice et la brosse à dents, c'est aussi pour Chouquette, mais Chouquette prend ses produits à part, elle choisit ce qu'elle veut. Ensuite, donc en premier lieu le gel douche. Celui-ci, mais je l'avais déjà entamé, donc j'en prends un petit deuxième au cas où quand même, à la guimauve. Je pense que celui-ci, je le viderai et je le jetterai là-bas et ça, je le terminerai pas, je pense pas. Un nettoyant intime, toujours. Pour moi, je peux pas me nettoyer avec un gel douche. C'est toujours un nettoyant intime. Mon lait pour le corps que j'aime beaucoup, qui est pratique, qui prend peu de place. Parce que là, je prends quand même des grands formats, donc j'essaie de prendre le moins de place possible. Et mon petit spray pour le soir au coton de chez Sephora. Ben, je le prends parce qu'il est pratique, il n'est pas trop grand. Ensuite, on parle pas de pratique, parce qu'on parle d'un format full size. Hein. Le shampoing huile extraordinaire à la coco de chez SF, qui sent très bon, qui est très bien. Au moins, je suis sûre d'avoir des jolis cheveux. Voilà, j'ai pas tenté un truc en échantillon que j'ai jamais testé. Et ça se trouve, c'est un produit horrible. Mais au cas où, pour le masque, là, je ne l'ai pas. Non, j'en ai pas. Mais chez Action, ils vendent des échantillons, enfin des gros formats de masques pour les cheveux. Je crois que j'en ai un. Vous voyez, c'est ce produit, je l'ai retrouvé. Je l'ai dans mes tiroirs, je vais dire mes rayons. Et ils sont très très bien. Et au niveau de la contenance, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Donc vous pouvez, ça fait 50 ml. Donc vous pouvez facilement, facilement vous faire même deux masques avec. Hein. Si vous avez les cheveux jusqu'aux épaules, même un petit peu en dessous, vous êtes tranquille, vous pouvez faire deux masques avec. Et ils sont très bien. Et vous voyez, ça prend beaucoup moins de place qu'un gros bloc comme ça. Mais là, je vais rester sur ce que j'avais prévu. Je ne vais pas changer. Parce que d'habitude, quand on part, je fais toujours en sorte de prendre le moins de produits possible. Quand on était en Belgique, c'est ce que j'ai fait. Et au final, le niveau de mes cheveux, ben, je les avais super secs. Donc, j'ai dit, écoute, tant pis. Je prends toute la gamme. Et au final, ben, j'ai la gamme Magique Coco aussi. Donc, ce sera toute la gamme que je vais utiliser là-bas. Voilà. Ensuite, au niveau du déo, le Nivea comme ça. Donc, ça, c'est mon déo classique. Celui-ci est presque terminé, donc pareil, je le terminerai là-bas. Et celui-ci n'est pas encore utilisé, donc ce sera le prochain. Des cotons-tiges, en fait, un par jour et par personne. Non, deux. Jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Oui, au cas où, j'en ai pris un peu plus. Ça, c'est pour les dents. Donc, la miniature qu'elle m'a donnée à la parapharmacie, elle m'a donné des miniatures de bain de bouche. Donc, c'est super pratique. Du coup, on a du bain de bouche ici. Un dentifrice entamé qu'il faut qu'on termine de chez DM. Ils les vendent toujours en petit format comme ça. Donc ça, il faut qu'on le termine. Donc pareil, on le videra là-bas. Et un plein qu'on utilisera. Ensuite, c'est la brosse à dents de Chouquette et la mienne en pliable. Et mes petites brossettes interdentaires, j'en prends toujours avec pour les dents. Donc on a tout. Le dentifrice, le bain de bouche, les brossettes. J'ai pris un gros paquet de coton. Parce que je vais me mettre de la lotion également le matin, le soir. Donc j'ai plus assez de coton dans mon petit package. J'ai fait tomber une pierre. Dans mon petit format que j'ai... en fait, j'ai un petit... un tout petit format de coton démaquillant de chez DM, mais là, il n'y en a plus assez, donc je prends le grand, tant pis. Ensuite, démaquillant, l'huile démaquillante, parce qu'il m'en faut. Celle-ci, je ne l'aime pas du tout, mais bon, il faut bien que je l'utilise, mais je la déteste. Je pensais l'aimer, mais en fait, non. Elle brouille le regard, elle est vraiment... en fait, j'utilise une autre huile démaquillante que j'adore de Amazon, et celle-ci, en comparatif, elle est nulle. Mais bon, au moins, celle-ci, elle se ferme, parce que celle de chez Amazon ne se ferme pas, donc là, elle est fermée. Je pense que je garderai le packaging au cas où, ça peut quand même être pratique. Un démaquillant biphasé pour les yeux, toujours parce que je parfais toujours mon démaquillage avec du coton. Et surtout avec cette huile, parce que cette huile ne démaquille pas très bien. Donc je préfère prendre ça. Logiquement, je vais juste me maquiller le vendredi soir et le samedi, mais bon, je prends quand même. Une eau micellaire démaquillante, donc ça c'est pareil, je l'avais reçue dans un petit kit. D'ailleurs j'ai gardé la trousse, je vous la montrerai juste après, la trousse Filorga, et j'avais reçu dans un petit kit. Ensuite, une crème, celle-ci, la Shiseido, c'est quoi?
crème lift fermeté. Voilà. Donc, elle est, il y a franchement un bon gros format. Il y a bien, ouais, il y a 15 ml dedans. C'est ce que je me disais. C'est ce que j'ai reçu la dernière fois en échantillon à la parfumerie. Et ça aussi, je l'avais reçu en échantillon. C'est pour le contour des yeux. Donc là, par contre, je prends un petit format. Je vais pas me prendre la tête. Et une petite spatule. J'utiliserai un côté puis l'autre en fonction le jeudi soir, le vendredi soir. Et après, tant pis, je prendrai mes doigts. Mais au moins, ça me permettra quand même d'aller prendre la crème. Pour le matin, cette petite lotion à l'abeille royale, lotion fortifiante à la gelée royale de chez Guerlain. Ça, je m'en servirai le matin. Je pense que ça peut être pas mal. La gelée Magnifica pour parfaire mon démaquillage sous la douche. Je passe mon huile, je la rince sous la douche, je nettoie mon visage avec ça, je rince et ensuite je parfais mon démaquillage des yeux avec ça et mon démaquillage du visage avec l'eau micellaire. Et enfin, le Pchit Magique de chez Garancia parce que en ce moment, je le réutilise pour voir les effets sur ma peau, donc j'ai pas envie de l'arrêter. J'aurais pu ne prendre que ça, mais j'ai vraiment pas envie d'arrêter le protocole que je suis pour voir une meilleure régularité de ma peau, donc je le prends avec. Et en parfum, je prends celui-ci, c'est le dernier de chez Givenchy, on voit pas bien là. Ouais, Givenchy, c'est le dernier, et comment il s'appelle, que je vous le dise quand même, si ça vous intéresse. Irrésistible, Givenchy Irrésistible Eau de Parfum Rose Velvet. Voilà, voilà. Ensuite, ici, on a le sèche-cheveux, donc on prend le sèche-cheveux avec, c'est toujours pratique. Le vendredi soir, en fait, je vais me laver les cheveux quand on sortira des pistes, et ensuite on va manger au resto, donc j'aurai pas le temps de me faire sécher les cheveux, donc le sèche-cheveux sera bien pratique. Le lisseur, parce que le lisseur, ça permet de faire des boucles, ça permet quand même de parfaire le truc, je prends pas mon Steam Pod, bien que le Steam Pod ne prenne plus beaucoup de place, mais bon, il faut quand même de l'eau et tout, donc c'est pas pratique. Je prends uniquement le sèche-cheveux, comme ça, même si on doit faire sécher des fringues rapidement, on peut, et le lisseur. Et ensuite, j'ai ce petit kit, c'est ce dont je vous parlais, vous savez, de... Ah, je vous pose là. Vous savez, je vous ai dit Résultime, là, la lotion. Et ben, en fait, j'ai eu cette petite trousse. Donc, à l'intérieur, j'ai un shampoing sec. Qu'est-ce que je voulais dire? Que je vous montre peut-être de plus près. Je prends quand même pas mal de choses pour me coiffer parce que je n'ai pas envie de galérer à ne pas pouvoir me coiffer. C'est très chiant. Donc, un shampoing sec Baptiste. Une petite laque. Pareil, elle est presque finie. Si je la finis... En fait, tous les trucs qui vont être finis, je vais les racheter. Ça, j'achète ça chez DM. Désolée, je vais parler trop vite et je m'embrouille. Hop, les... une petite brosse à cheveux comme ça avec... Ça, c'est la brosse à cheveux que je prends tout le temps quand je pars, les plus petites. Et des petits élastiques. Ça, c'est quand je fais mes petites couettes, je les ai mis dessus. Ensuite, une grosse pince à cheveux. La même pince à cheveux en version petit pour faire une demi-queue. Ça, c'est pour attacher les cheveux quand je prends la douche ou autre. Ça, c'est pour faire une demi-queue. Et dans ce petit sac ici de congélation IKEA, j'ai mis, vous voyez, mes petits élastiques dans leur petit sachet. Et des toutes petites pinces à cheveux au cas où je fais des petites, une petite coiffure pour le soir. Un élastique plus classique et un peigne à queue. Ensuite, au niveau maquillage, j'ai pris tous mes pinceaux. Tous sont nettoyés. Celui-ci paraît sale, mais c'est normal parce que c'est le pinceau à blush. Donc du coup, il a souvent du blush. Donc du coup, il est un peu teinté. Tous, donc fond de teint, poudre, anti-cerne, poudre pour le contour des yeux, contouring. Tu vas me dire, tu prends trop de trucs pour partir. Honnêtement, plein de fois, j'ai pris très peu de maquillage et je l'ai toujours regretté. Parce qu'au final, j'étais pas maquillée comme je voulais. Là, tant pis, je prends plus de choses. C'est pas grave. Et ensuite, ma trousse à maquillage, pareil, qui vient du site Shein. C'est pas du tout un partenariat, hein. Mais c'est une réalité. Comme vous voyez, j'utilise réellement ces produits et je les adore. Donc ça, c'est le nettoyant pour pinceau qui est très très bien. Donc je prends le nettoyant pour pinceau et... qu'est-ce que je voulais dire? Et des lingettes démaquillantes comme ça, petit format, c'est vendu chez Action. Donc je spray ceci sur une lingette, ça me permettra de nettoyer mes pinceaux. Et là, c'est les pinceaux pour le maquillage. Donc, je prends un petit pinceau double embout comme ça de chez Urban Decay, avec, surtout pour cet embout-là, en fait, pour estomper mon crayon en dessous des yeux. Ça, c'est pour estomper même en dessous des yeux aussi le fard que je mettrai. Parce que souvent, je mets un crayon puis un fard. Ici, c'est mon crayon à lèvres, si je me fais un petit truc sur les lèvres. Donc, un pinceau biseauté. Il fait peur, mais je l'adore. C'est un pinceau de chez ELF dans la gamme à 1€ pour celles et ceux qui connaissent. Regardez-moi ça, l'état du pinceau, mais je l'adore. Donc il est génial, c'est un pinceau biseauté fluffy, ce qui permet l'estompage, un pinceau estompeur de chez Kiko, un pinceau plat fluffy de chez Action, Zoeva et Essence. Voilà, c'est pour mettre mon highlighter en coin interne. Là j'ai fait des swatchs pour mes crayons. Et ensuite tout est rangé ici par catégorie, je ne sais pas si ça vous intéressera ou pas, tout ce qui est pour le teint. Donc base de teint, bébé crème, anti-cerne, poudre, contouring et poudre fond de teint. Là, c'est tout ce qui est sourcils, donc tout mon crayon pour mon crayon pour les sourcils, mascara sourcils, le pinceau pour estomper le crayon beige qui est ici. Il est là, le crayon beige. Je mets toujours du crayon beige en dessous de mes sourcils.
et ma base à fard à paupières. Ensuite ici, je vais mettre tous mes pinceaux, parce que la trousse est un peu plus grande, comme celle-ci elle est plus grande. Et là j'ai tout ce qui est pour les yeux, donc là je vais mettre ça aussi avec. Hein. Ça c'est un rouge à lèvres, oui, de chez Maybelline, le 710, que j'aime beaucoup, qui est très très joli. Que j'applique du coup avec le NYX Lip Liner en teinte pâle pink, rose pâle, voilà, que j'aime beaucoup. Et ça, c'est quand je me maquille, je vais mettre quelque chose juste pour hydrater mes lèvres. Donc, c'est le Honey. Et je vais prendre ça avec au ski directement. Au moins, si je le perds, ça me fera moins... Ça m'embêtera moins que de perdre le tout nouveau Clarins que j'ai là. Donc, je prendrai celui-ci. Et au niveau des yeux, j'ai mon highlighter préféré pour le coin interne de l'œil, qui est le 200 de chez Kiko en Water Eye Shadow. Mascara, mes deux mascaras que j'aime beaucoup. Bon, je vais tout sortir et vous montrer. Donc le Sky High et le Lash Sensationnel en waterproof, toujours pour moi. Ensuite, ce petit fard à paupières qui est de la collection Holiday de chez Kiko. C'est le 04 Precious Purple, qui est très très beau. Magnifique. Donc ça, je l'applique souvent en ras de cils inférieur. La Naked 2 de chez Urban Decay, je peux également en faire mon contouring avec. Elle est très très bien. Ensuite, un recourbe-cils, celui-ci c'est celui de chez Essence. Un crayon noir, celui-ci c'est aussi un de chez Essence, un long-lasting. Ensuite, crayon de la marque Poupa, celui-ci qui est très bien en teinte 200. Un crayon de chez Kiko, qui est même, dans le même esprit que le Poupa, qui est un long-lasting, lasting précision automatique eyeliner and kohl. Crayon yeux en teinte 14, mais je crois que c'est pas un waterproof celui-ci. Ah, je viens de me rendre compte, là, vous voyez, c'est dommage. Ça, c'est pour peigner les cils, en fait, avec le mascara. Et moi, ce que je fais, c'est que je m'en sers pour quand je veux faire recourber mes cils. Vous voyez, juste ici, je pose mes cils là. Et ça permet de garder le recourbement. Donc, souvent, je le nettoie. Là, je vais le nettoyer juste après. C'est juste que j'ai pris tous les produits, je les ai mis dans ma trousse. Et un petit crayon comme ça, la même gamme que l'autre. De chez Essence, toujours en teinte 29 Berry Fantastique. Voilà. Donc ça, je mets en dessous des yeux, j'estompe avec mon petit pinceau là. Et ensuite, je mets ce fard à paupières et ça rend l'effet que j'aime bien. Donc tout ça va aller dans cette trousse. Et je vais essayer de faire rentrer cette trousse dans cette trousse. Oui, là, vous avez une paire de chaussettes qui est en train de bien sécher pour qu'elle soit bien, bien sèche. Et mon pantalon et un slip. Voilà, parce qu'en fait, j'ai fait une machine juste avant de partir de tout ce qu'on avait à la maison. Comme ça, toutes nos affaires sont propres et tout est en train de sécher. Parce que les radiateurs comme ça, pour celles et ceux qui connaissent, vous savez que ça sèche bien. Donc, tout sèche très rapidement. Donc, dans 2 heures, tout sera sec. Et on aura d'accessible tous nos fringues pour partir et prendre ce qu'on veut. Et ça, c'est une petite trousse que j'avais achetée à l'époque chez Action. Ils ne les font plus. C'est bien dommage. Elle est assez grande, comme vous voyez. Et là, je prends un miroir comme ça de chez Action aussi. Que je vous montre, il est à pile. Et en fait, il s'allume. Voilà. Et ça, c'est bien pratique parce que je sais pas où je vais me maquiller. Et il a aussi une petite cale. Et je vais essayer du coup de mettre cette trousse là. Et voilà le tout sur le lit. Donc j'ai tout mis sur le lit. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus de place. Je vais vous expliquer en gros. Du coup, on va faire une journée de ski où je n'aurai pas mes affaires personnelles au niveau de la veste et du pantalon de ski. Donc je prends quand même des sous-vêtements. J'ai pas à y aller en soutif et en slip en dessous. Donc là, j'ai un pull comme ça. Je vais essayer de me rapprocher, que vous voyez un peu mieux. Un pull comme ça de la marque La Halle. Voilà, un pull en col V en laine. Autrement, j'en ai un autre. Ça, c'est un sous-pull col rond manche longue de chez Kiabi. Vous voyez, c'est la gamme vraiment simple en XL. Parce que moi, je suis obligée de prendre XL chez Kiabi. Je trouve que c'est trop petit. Et j'en ai un autre de chez OVS qui est un peu plus large. Donc, ça sera plus pour le lendemain au cas où on fait une marche ou quoi. Pour mettre en dessous d'un pull ou tout simplement pour mettre en dessous de ma veste parce que c'est un manche longue, mais vous voyez, plus souple. Voilà pour ça. Ça, c'est un legging pantalon. Je ne sais pas si vous verrez l'épaisseur, mais c'est quand même très épais. Je pense que ça sera peut-être plus adapté et surtout plus couvrant parce que ça va me couvrir tout juste les fesses. Donc, si je me retrouve à ce qu'on voit mes sous-vêtements avec des leggings plus classiques, ça ne le fait pas forcément. Là, c'est un legging toujours pareil de La Halle en taille M, un legging long, court, simple, en 100% coton. Et là, c'est un legging de chez Primark que j'aime beaucoup aussi, long. J'en ai pris deux leggings en coton simple, un pour le samedi. Non, un pour le vendredi, le ski et tout. Et au pire des cas, le matin, on fait de la motoneige. Donc, si j'ai vraiment besoin de me changer, on va prendre un petit sac avec et j'aurai à chaque fois les tenues là, en fait, dedans. Comme ça, au moins, on est tranquille. Je pense que Chouquette fera la même chose. Elle prendra des tenues de rechange pour le vendredi, vu qu'on rentrera pas entre.
Ensuite, ça c'est pour demain jeudi, donc un petit t-shirt comme ça long de chez Shein que j'adore, je vous l'ai déjà présenté dans une des vidéos. Vraiment, c'est pas calculé, j'adore leurs habits. Là, un pantalon noir skinny simple que j'avais acheté à... dis-moi, l'étiquette elle doit être là. Hein. Gémeaux, voilà, Gémeaux et Gémeaux 38, par contre je suis bien serrée dedans. Mais Gémeaux 38, enfin Gémeaux 38, c'est plus un bon 40, un petit, ouais, un 40 où je suis serrée dedans, mais je suis bien dedans. Et ce petit pull à capuche de chez H&M que j'ai acheté l'an dernier, édition Bob l'éponge. Là j'ai tous mes sous-vêtements, j'ai rajouté des grosses chaussettes de ski noires que je mettrai dans le sac plutôt là-dedans. En fait, il faudrait que je les enlève de là, je vais les mettre dans le sac pour aller là. Mes pyjamas, donc pyjama, bas de pyjama et un pull de pyjama, et là mon autre pyjama, ça vous avez déjà vu. Pour le vendredi soir, peut-être, j'ai pris cette tenue. Petit pull chauve-souris assez court que je rentre dans la jupe de chez Shein. Chaussettes hautes qui vont avec au cas où je veux mettre des bottes courtes ou des baskets. Un collant noir tout simple. Enfin, il y en a deux là, mais c'est pas grave, je prends le paquet. C'est des 40 deniers de chez La Halle en taille 3. Là, j'ai le Total Shaper en 15 deniers teinte nude. Donc, c'est vraiment XL. La taille, celui-ci, il me va super bien. Donc ça, c'est vraiment la couleur nude effet peau. Et là, on l'a en 30 deniers, en taille L. Il est un peu plus serré, mais il me va quand même en teinte chocolat. Voilà pour ça. Mais je suis quand même plus à l'aise dans le XL. Ensuite, ici, je m'étais trompée en fait sur la taille, mais le L me va quand même. Mais voilà, on va dire que je suis plus à l'aise dans le XL. En sachant qu'après, ça se détend avec les lavages, parce que c'est des, comment dire, des collants que vous gardez longtemps. Hein. C'est de la bonne qualité, Calzedonia, donc du coup il va se détendre, vaut mieux le prendre en plus petite taille. Et là j'ai une petite jupe que j'avais achetée à l'époque chez Tally Wedge en Allemagne, je m'en rappelle encore, c'était pour mon anniversaire il y a 3 ans. Voilà pour ça. Ensuite ici j'ai des chaussures, donc les petites boots comme ça fourrées avec des nœuds derrière, ça je pourrais les mettre avec cette tenue ou et avec une autre tenue, hein, avec toutes les autres tenues je pourrais mettre ça. Je prends des baskets du coup, celle-ci et mes cuissardes noires qui sont comme ça, éplé, pas trop haut talon, simple et assez haute en suédine. Ensuite, ce petit haut-là que j'adore, pareil, il vient de chez Shein, hein, vous savez très bien que j'aime beaucoup, que je peux porter du coup avec ça, voilà. Et cette chemise longue noire que j'adore qui vient de chez Shein, toujours, d'ailleurs là c'est même pas marqué, c'est bizarre. J'ai tellement lavé que ça commence à s'enlever. Shein, X, je sais pas quoi, je l'adore. Une merveille, pas besoin de la repasser, elle ne se froisse pas. Elle est top. Ce legging-là de chez Shein aussi, bon là, il fait un peu froid, c'est ce qu'il a été mal mis. Donc je peux. Et là, c'est un petit débardeur de chez... je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, celui-là. De chez Amissu. Donc ça, c'est New Yorker, un petit débardeur en dentelle comme ça, noir, pour mettre en dessous de ça, avec le petit legging. Donc je pourrais très bien mettre les cuissardes ou les bottes, peu importe. Ça, ça me fait aussi une autre tenue du soir. Donc j'ai une tenue du soir, deux tenues, donc une tenue pour le vendredi, une tenue pour le samedi soir si on est encore là-bas. Des boucles d'oreilles, donc peu importe, hein, ça, ça ou ça, ou ça, voilà. Je me suis dit, je prends juste ça. Et ma tenue du samedi, parce que logiquement, on fera plus de ski ni rien, donc soit on rentre, soit on va se faire une petite balade quelque part. Mon legging chouchou de chez Calzedonia, je l'ai acheté il y a des années, il y a au moins 6 ans, je l'adore, il est génial. Un autre legging de chez Shein qui est très très confortable au cas où, que je peux tout à fait porter avec aussi, je préfère celui-ci, mais celui-ci est très joli aussi. Un pull long et je me suis pris un petit sautoir pour mettre avec. Et là, j'ai un petit débardeur long à bretelles larges. Donc ça, c'est vraiment un long qui arrive en dessous des fesses pour au cas où je mets le legging, qu'on ne le voit pas. Voilà pour mes tenues. Et pendant ce temps-là, où est la chouquette? Chouquette est là. Voilà, chouquette. Chouquette est en train de préparer du coup ses affaires. Hop. Ici, il y en a partout, hein, parce que ben voilà, on prend les affaires de chouquette de ski. Sèche-cheveux, tout ça, GoPro, caméra, je sais pas, antidouleur, parce que j'ai mal aux dents, donc j'ai pas envie de me choper une douleur aux dents trop importante là-bas, donc il faut que je les cache. Tout ça, il faut que je descende, en fait, c'est ce que j'avais prévu pour, pour là-bas. Vous savez, torchon, microfibre, pour faire un minimum de ménage. Mais en fait, on n'en aura pas... Il y en a... Ah bon, on les voit, les montagnes, les hauts sommets, on commence à les voir, hein, Chouquette. Des hauts sommets. Oui, c'est des hauts sommets. Non, c'est pas des hauts sommets. Si, là, c'est vallonné, là. Oui. C'est joli, c'est joli. Mossou, Gérard May. Par contre, il y a beaucoup de radars, hein, dans cette petite bourgade. Hein. Ils aiment bien. Je pense que les gens roulent vite. Il est là. Il est là.
là. Ah, ils sont bien, eux. Ça, c'est bien. T'es isolée, t'es pépouse. Oh là là. La journée, t'es bien. Par contre, le soir... tu te cagues dessus, n'est-ce pas, Chouquette? Oui. Bah, la nuit, t'aurais pas peur de vivre comme ça, seule, isolée? On vient d'arriver. Donc, je vous fais un petit tour, bref, de l'appartement qui est très joli. On a une petite terrasse juste ici. Hop. Que je vous montre tout ça. Oh, une petite fleur. Heureusement que c'est pas moi qui m'en occupe, autrement elle serait décédée. Enfin, je crois que c'est une fausse. Ouais. Oui, c'est une fausse. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est joli, hein. C'est très joli. Même la cuisine est vraiment super sympa. Qu'est-ce qu'il y a qui est sympa? Oh, il y a du liquide vaisselle. Ensuite, ici. Oh, c'est beau. La bathroom. C'est beau, hein. Oh, j'adore. J'adore ça. Tu vois, le ça qui raccord, c'est magnifique. C'est ce qu'il faut faire, en fait. J'aime bien ça. Ah, la porte à galandage dans la... C'est magnifique, hein. Oh, c'est chouette. Doucement. Petit bourrin. Et là, t'as un truc pour mettre les... C'est vraiment bien. Ouais, il y a un sèche-cheveux. Et enfin, ah, c'est magnifique, hein. C'est quoi, là? Ah, mais non, mais c'est trop bien. Hop, petit mirror. Tac, tac, tac. Les WC. Même le carrelage est beau. Tout est beau. Et notre petite room. Que c'est joli. C'est sympa. De quoi poser les affaires. Des petites hirondelles. C'est mignon. Pardon, Chouquette. On a les dilos du coin. Ils sont en train de faire leur trafic. Et ça donne dans la rue. Oui, j'arrive. On n'a pas vu la dernière chambre. Ma chambre, elle est ici. Dans le salon. Il y a aussi des petites hirondelles. Du coup, voilà. Voilà, avec Chouquette, on a décidé, on emménage ici. Mmh. Ça nous change, hein? Ouais, et même ça, la tasse à... Les fois où quoi? Les fois où je te fais chier? Les fois où? J'ai pas dit ça, j'ai dit on emménage ici dans les fauches. Attends, les fauches? Et le truc, c'est ça, c'est la partager. Par contre, c'est pas dans le bon sens. Quand tu bois comme ça, tu l'as pas, en fait. Mais, voilà. Et c'est très joli, hein. Yo. Donc, on va boire notre petit café. Et on fait quoi après? On va faire une randonnée, hein. Ouais, elle nous a fait monter dans un col où il n'y a qu'une seule voiture qui passe. Ça, c'est une certitude. Voilà. On s'est garé plus bas. Bah, en arrivant en haut, j'ai pleuré, quand même. Parce que j'ai peur. Et surtout, j'ai dit, je mets mes petites bottes. Et je mettrai mes chaussures de rando dans la voiture, sauf que mes chaussures de rando, on les a laissées à l'appart. Voilà, donc du coup, je suis avec mes petites bottes. Et moi qui n'ai aucun... Ça fait bientôt un an que j'ai arrêté de fumer, j'ai toujours pas récupéré mon cardio, c'est de la connerie. Hein. Faut faire du sport pour avoir du cardio. Non, merci, j'ai pas tes chaussures. Où veux-tu qu'on s'assoie? Ouais. Ouais, c'est très beau cette neige, mais ouais, comme dit, oui, je pense qu'il y a des gens qui doivent se garer là normalement. Mais là, c'est ingérable. Ouh. Donc voilà, Chouquette, comme dit, ça c'est l'hyperactivité. Elle a besoin. Faut descendre ou monter? Voilà, elle a besoin de... Voilà, on sait pas où on va. Mais si. En général, quand ça regarde le GPS, c'est quoi? Ça, c'est pas. Et j'ai le nez qui coule, ça y est. Ouh là, elle a failli tomber. Donc faut faire bien attention où on met les pieds. Mais ça reste très beau. Mais ça reste très dangereux. Donc voilà, j'espère que je sortirai de ce séjour en entier. Hein. Oh là là. C'est de la glace en fait, c'est de la neige glace. Je vais vous laisser, j'ai peur de tomber. Non,
On a bien mangé. C'était bien bon. Moi, j'ai mangé du poulet avec du riz. Poulet curry délicieux. Oh, il est trop mimi. Ça se croire en boîte là. C'est le truc de pizza. Et toi, t'as mangé une petite flamme. J'ai cru que c'était Roblochon. Non, c'est Thomaster. Et ce qui est bien, c'est qu'on a mangé à l'autre bout, là où vous voyez la lumière. Et on réside pas loin. Donc on peut faire tout faire à pied en fait, là où on est situé. Oui. On est vraiment dans le centre-ville. Rue François Mitterrand. C'est vraiment pas mal. Hein? Donc, vu que c'est ski. Ah, il a des skis sur le toit, lui. C'est pratique comme ça. Bon, il fait froid. Bon, il y a beaucoup de d'attrape touristes, quoi. Il y a les monts d'or. C'est pas mon cœur. J'y suis déjà allée. Il y a beaucoup d'attrape touristes. Hein, j'y suis déjà allée. Hein. Oh bah Bibi, hein, bien sûr, parce que on change pas l'équipe qui gagne. Hein. Toi t'es. Ouais, mais c'est Mathilde M. Je viens de voir. Qu'est-ce qu'il y a, ces vases? Qu'est-ce qu'ils ont? C'est vous, comme ça. C'est vases. Vase. Ah oui. Ouais. Oh, j'avais pas vu la façade là comme elle est belle. On la voit pas bien. J'aime beaucoup cette boutique là. C'est joli quand même. Et on n'est pas loin. Au-dessus, il y a la petite boulangerie. Ah, tombé. Merci de ne pas mettre. On est au-dessus de la petite boulangerie. Et la petite boulangerie, ils ont l'air de faire de bonnes petites choses. Et c'est pas mal sa petite boulangerie pour le matin. C'est pas mignon. Jouquette, elle fait tomber les clés. Je ne vous ai pas fait le frigo tour. Dans le frigo, on a les petits gâteaux là. Bon, vous les verrez là. Hop, que j'avais fait pour ne pas perdre les bananes. Donc les petits gâteaux très très bons. Avec du chocolat noir par-dessus. Donc les voilà. On a pris 2 paquets de jambon. Voilà ce qu'on va en manger le matin. En fait, le matin, demain matin, sera petit déjeuner salé avec du jambon, des œufs brouillés et un yaourt avec du muesli. On aime bien ça. La seule chose, c'est qu'on n'a pas de sirop d'érable, c'est du sirop d'agave. Et pour moi, je me suis pris ça, les petites bouchées chocolat au lait, cœur caramel au beurre salé. Si vous savez, vous savez. Vous savez, j'adore ça. On a pris une bouteille de coca. Pour demain matin, joker, une bouteille de jus d'orange. Ça, c'est l'eau pour emporter avec nous. Et ça, c'est une bouteille de Volvic. Et Chouquette a bien surpris son petit Red Bull. Ensuite, sur le plan de travail, on a les Malteser, of course. Ceci, je suis passée tout à l'heure à la boutique qui est en bas de la rue parce que on a tout en bas de la rue. Hop. Oh, on va y arriver. J'ai trouvé ça pour Chouquette et moi. On va s'aimer sous une étoile ou sous un oreiller. En fait, c'est des graines de tulipes. Et vu qu'on n'a ni la main verte, ni l'une, ni l'autre, voilà quoi. Et ça. Hop. Bonjour qui? Bonjour qui? Attends, j'arrive à l'ouvrir. J'ai craqué parce qu'en fait ici il y en a partout de ça et j'aime beaucoup. C'est des tasses comme ça, trop jolies. C'est Félicie aussi Paris et c'est Bonjour ma couille. C'est trop mignon. Là on a la table du petit déjeuner du coup qui est comme ça, deux vieilles. J'ai préparé la table du petit déjeuner. Voilà. Du coup, par contre leurs assiettes et tout elles sont super chouettes. Voilà donc les petits bols pour demain matin pour mettre le yaourt et le muesli. Vu qu'on n'a pas trouvé de sirop d'érable, on a pris le sirop d'agave là chez Lidl. De toute façon, j'avais plus de sirop d'agave pour la maison, donc ça sera très bien. Le muesli, on l'avait pris à la maison, parce que ça ne servait à rien d'acheter un gros paquet de muesli et de se charger pour rien. Donc j'ai pris celui-ci de chez nous qu'on aime beaucoup. Le verre pour le jus d'orange, la tasse pour le... pour le café. Et puis voilà, tout est prêt. Et aussi, tout est prêt pour faire demain les petits œufs brouillés. Donc la poêle, on l'a trouvée. Il faut juste que je regarde comment ça fonctionne. C'est une induction. Donc voilà, ça, c'est sorti. Les œufs, le bol, la fourchette, le beurre, tout est prêt. Et bien sûr, si vous ne connaissez, vous savez,
Le Denk Meat est parmi nous en version miniature cette fois-ci. Voilà, voilà. Ah oui, et le pain de mie aussi. La poubelle est là, on ne pouvait pas la mettre ailleurs. Le pain de mie est avec nous. Du coup, demain matin, on va se faire griller du pain aussi. Voilà. Je vous vlog ce matin avec Choupette. Je vous montrerai après le café. Il y a le toast qui est prêt. Bon, bah, la nuit fut... C'est vraiment sympa, la poubelle en fond. La nuit fut compliquée. Bah, c'est pas chez nous, c'est pas notre lit. Puis le matelas est assez dur, donc... c'est pas inconfortable, mais... c'est pas génial. Donc, du coup, voilà. On va manger. J'ai faim, en plus. C'est bien. Et on va manger, et puis voilà, quoi. On s'est dit, la motoneige, je crois que c'est à 9h45, on appellera à 8h15. Bon, on a un plat à 8h15, c'est à 9h, et il faut être là-bas à 8h30, on est encore sur la route. Donc voilà, ça nous arrive jamais. D'habitude, on est toujours très voilà, carrés, toutes les deux. Là, voilà. Bref, c'est pas grave. On est pas trop mal. Il y a quand même de la neige, hein. Et c'était très beau. J'espère que maintenant, les routes vont être plutôt sympas. Après, elles étaient plutôt sympas, là. Donc j'espère que ça va durer comme ça. Et voilà. Voilà, voilà. Dans un monde, on est monté, on est descendu pour redescendre, remonter. Là, ça me plaît moins. Bon, je vous laisse. On est où, la tata? Avec notre petite Charlotte. Par contre, on savait pas qu'il fallait pas payer par carte. Du coup, on a dû faire un virement. Ouais, le stress. Pas de réseau, rien. C'est pas évident, mais c'est très beau. Ça va, ça m'est sorti. C'est vrai. Ce n'est pas évident. Et moi je vais gérer les virages, que tout à l'heure on a failli se retourner. Bon, après le moniteur nous a dit que nous on ne s'était pas retourné. Je pense pas que vous m'entendiez bien. On va pas parler trop vite parce que c'est du sport. Hein. Alors, quelle heure est-il? Il est 1016. Et Chouquette coupe la sauciflette. En fait, on est sorti et... pour acheter des choses. Pour acheter des petites choses que je vais vous montrer. D'ailleurs, c'est là pour vous poser, en fait. Faudrait que je pense à toujours prendre un trépied. Tu vois, je suis vraiment une mauvaise youtubeuse. Mais là, on va se manger un petit sauciflard des familles. Aux chèvres et on a pris la moitié d'un saucisson d'un clacousse voilà au lait cru des Vosges parce que tout ça c'est bien bon et puis une petite baguette Chouquette poisson Red Bull, moi je vais boire mon petit coca. Chouquette en train de se faire un repas hein. Voilà, je voulais vous montrer les petits achats bijoux. Par contre à un moment donné elle me dit cette boucle d'oreille là, donc elle me dit donc tant. Et la boucle d'oreille, c'était 45 euros les deux boucles d'oreilles, pas que la boucle d'oreille. Et là, là non. Au bout d'un moment, 45 euros une paire de boucles d'oreilles. Alors elles sont très belles, hein, mais c'est pas possible. Chouquette, bon, on a trouvé un petit shooter parce que Chouquette fait la collection. Non. C'est moi qui achète, c'est pas les gens qui m'achètent en fait. Ben. C'est que tu fais la collection. Bref, un petit shooter comme ça, elle l'a bien aimé. Voilà. On va remballer ça propre pour pas faire tout tomber. Je vais vous montrer ça comme ça, ce sera plus simple. Ils avaient la marque Zag. Par contre, là, ce qui m'inquiète, il est où le... C'est bien beau de me vendre des boucles d'oreilles, mais ils ont pas de fermoir. Enfin, je peux pas la mettre dans mon oreille, quoi. Non, c'est bon, j'ai compris. En fait, elles se mettent comme ça. Il faut les rentrer comme ça. Donc, celles-ci qui sont très belles. Avec des petites pierres. Ah, elles sont très, très belles. Ensuite, on a celle-ci. C'est galère à une main.
Merci Chou. Chouquette assistante. Vous voulez que je coupe un petit bouton parce qu'elle est en train de faire son repas. Ah, cette beauté là. Ce collier. Donc ça, c'était 28 euros. Il est déjà tout emmêlé. C'est bien pratique. Voilà, il est super joli. Avec plusieurs mailles comme ça. Très, très beau. Et dernière paire de boucles d'oreilles. Ok, moi j'ai pris deux paires de boucles d'oreilles et un collier. Et un petit bandeau que je vais mettre aujourd'hui d'ailleurs. Ah bon? Bah oui. J'ai les cheveux attachés. Et cette paire-là, qui est très très belle aussi. Ah, j'avais pas vu que c'était des piqueurs. Bon, il faut vraiment s'approcher pour voir si c'est des piqueurs. Voilà pour ça. Et ça, ça va être très joli aussi. Et enfin, et ce petit bandeau-là. Voilà pour ça. Ah, on prend les bâtons. Oui. On est parti sur une petite randonnée. C'est marrant, on est un peu plus bas, mais il y a un peu de neige. C'est beau. Chouquette prend les bâtons et c'est de nouveau une montée bizarre. Bref, c'est parti. Bon, on est arrivé, ben, je sais pas si vous verrez. Si, là, vous voyez par en bas. En haut de la source, Chouquette est un peu plus haut. On peut pas monter plus haut, il y a des barbelés. En fait, on est arrivé au plus haut de ce qu'on peut voir de la source. Et c'est très beau. Et je me suis jamais surpassée comme ça. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Faut faire attention. Ah, je viens de casser une branche. Je vais pas y arriver, moi. Wouh. Chouquette est où? Chouquette est toujours derrière. Tu veux la ramasse? Elle peut vous traverser. Ouais, tu te sens de traverser ça, bon, y a pas grand, il y a l'équivalent de deux grands pas quoi. En face ça a l'air beau hein, ce qu'il y a là-bas. Il y a de la neige. Enfin, je sais pas si vous verrez, mais là, il y a de la neige quoi. C'est un truc de fou. Ici, il n'y en a pas. C'est magnifique. Enfin, moi, ça me. J'arrête pas de chialer, de toute façon, ça m'émeut. Voilà, la nature, les pierres. J'imagine les petits elfes. Sauter de pierre en pierre, enfin voilà. Mais ouais, je sais pas trop si moi je me sens de passer ce cours d'eau là. La Chouquette, elle est là. Elle s'est trempée de route. Bah, en fait, on n'a pas envie de partir. Ouais, fais attention quand même. C'est fou parce qu'elle connaît pas les routes et elle bombe comme une malade alors qu'elle connaît pas les routes. Il y a des ventes de mobilhomes là et ça. Oh, il y en a un carré comme j'aime bien. Donc, oui, Chouquette s'est trompée de route. Mais bon, voilà, c'était juste que les sorties étaient mal indiquées. Il y en avait trois d'un coup et c'était mal indiqué. Bref. Et en fait, on n'a pas trop envie de partir non plus. C'est-à-dire qu'on a envie de retrouver notre paupière. Pas partir. Nous on va faire une petite randonnée comme hier. On reste. Oui. Ouais, Chouquette va venir faire motoneige en fait. Du coup hier on a bien parlé. Ouais, monitrice, ouais. On a bien parlé avec le monsieur, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Je crois pas que je l'ai dit hier. Non. Je vous ai pas beaucoup vlogué hier à la sortie de la motoneige. Mais oui, Chouquette elle a bien parlé avec le monsieur de la motoneige, Benoît, très gentil d'ailleurs. Et en été, donc ils font du quad et du trial. Et en hiver, ils font donc la motoneige. Et en fait, bah, tout ça correspond à Chouquette. Parce que Chouquette, comme dit, a le permis moto. Et d'ailleurs, elle a très bien géré. Et c'est vrai qu'elle a super bien géré. À un moment donné, on n'a pas failli se retourner. Mais la motoneige a un peu basculé. Donc on a eu toutes les deux un bon réflexe. Elle a eu le bon réflexe de ne pas accélérer. Enfin, bref, franchement, il lui a fait que des compliments. Elle était super gentille. Et nous elle a dit à la fin mais que c'était bien qu'on s'était pas cassé la gueule parce que la plupart du temps bah, les gens se cassent au moins une fois la gueule. Donc nous non, donc c'est plutôt cool. Et moi j'ai roulé un petit peu aussi, bon c'était beaucoup plus drôle hein. Non, ça a bien roulé. Oui. Non oui ça allait mais bon c'est pas non plus enfin il n'y a pas de direction assistée sur une motoneige donc c'est bien sympa. Mais ça fait combien? Ça fait au moins 300 kilos.
700 kilos. Ah, 700 ah kilos, oui. Ouais, je crois, ouais. Il y a des 700 kilos et 100 chevaux. 700 kilos et 100 chevaux et une motoneige sans direction assistée, ça fait mal au bras. Alors tu pousses et tu tires en même temps le guidon, enfin voilà, mais c'était quand même chaud. Donc Chouka, t'as plus réussi que moi, parce que malgré tout, c'est quand même pas évident, c'est 90 avec radar. Hein. Oui, maintenant c'est 90. Oui, non, c'était déjà indiqué avant. Non. Mais c'est pas grave, Chouka, t'as des points à rallonge sur le permis, donc ça c'est vachement pratique quand même. Du coup, voilà, on va aller récupérer la petite popiette chez mes parents, et on va rentrer à El Berrec, et puis la vie va reprendre, quoi. Voilà, enchanté. Ouais. Bon, bah, comment ça finit cette petite épopée vosgienne avec un petit tiramisu, voilà, un petit fusti et mon taco, c'est son taco, attends, on fait comme ça autrement. C'est bon, il n'y a pas de toi. Pourquoi? Tu sais que j'ai mis, j'ai appuyé pour enregistrer la vidéo. Le chat dit que je pue visiblement. On est enfin rentré à la maison, franchement, la route, ça se tirait, vraiment. Surtout pour aller chez mes parents. Bref, et là, on était faire un peu de shopping, parce que de base, j'avais moins 25% chez Sephora, et il me fallait de nouveaux produits. Chouquette vient avec le saucisson. Il fallait de... Chacun selon son odorat. Ça, c'est la vie. Je devrais faire la miniature de la vidéo avec ça. Le chien est content, il nous ramène ses jouets. Donc on est passé, oui, je sais pas, mais avant, on est passé dans une boutique. Le chien joue, il est content. Désolé, Chouquette coupe du saucisson, donc ça fait tout bouger. On finit bien cette vidéo. Bref, on a acheté des... Non, Chouquette, vas-y, fais, t'inquiète pas. On a acheté des Yankees comme ça, des tartelettes. En fait, on n'en trouvait plus depuis longtemps. Et... Clean Coton, c'est une de mes préférées, ça sent le propre, le linge frais. Et Sauve Blanquette aussi, ça sent très bon. Et puis on a pris une petite comme ça, Clean Coton, une petite bougie pour voir ce que ça valait. En fait, je voulais la mettre dans la cuisine pour voir si dans la cuisine, par exemple, ça sentait ou pas. Le pire a été Sephora. Non. Bon, j'ai trouvé ceci, cela. En fait, parce que je voulais la tester depuis un moment, je voulais la tester en petit format, comme dit, pour voir ce que ça valait. Donc la Super Bébé en teinte claire. Et en fait, j'avais moins 25%, mais pas sur le maquillage, sur les soins, et j'avais que du maquillage. Donc elle a été très gentille, la dame, et elle a fait à moins 25%. Donc ça, c'était 21€ les 15ml. Je trouve ça extrêmement cher. En fait, faut mieux prendre le grand format de 30ml, mais ça permet de tester. Vas-y, coupe. Chouquette s'en est allée avec son saucisson, elle est partie, je sais pas si vous la verrez. Ah, c'est Jacques Mapu. Oh là, Chouquette et saucifla. C'est toute la vie. Donc ouais, c'était 21, elle a été gentille, elle m'a mis bébé crème, ben, je l'ai déjà, en teinte claire, et la super bébé en teinte claire, elle m'a mis en échantillon. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris un petit format comme ça, parce qu'en fait, en partant là, je me suis rendu compte que je n'avais plus de démaquillant biphasé en fait. Pour voilà, la lumière, elle fait des. Ça se voit vachement à la caméra, la lumière qui fait des vagues. Mais en fait, en vrai, ça se voit pas tant que ça. Là, pour vous, ça fait beaucoup de vagues, mais en vrai, ça n'en fait pas tant que ça. Bref, et donc j'ai repris un mini démaquillant waterproof. C'est pratique quand on part en week-end ou ces trucs-là, comme là, en fait. En fait, je voulais un mascara et j'en ai pris deux. J'ai pris celui-ci de chez Lancôme, le Lash Shifting Volumizing Mascara, le Lash Idol. Mascara volume, cils recourbés, résiste à l'eau. Donc moi, je prends toujours en waterproof pour que ça tienne la courbure. Parce que là, j'ai complètement fini tous mes mascaras. J'ai vraiment été au bout. Donc du coup, j'avais envie de tester d'autres choses. Du coup, je vais tester ça. Et je voulais également tester celui-ci qui est très bien noté, le Bad Gal de chez Benefit. Mais j'ai pris en petit format pour voir ce qu'il valait. C'est un mascara volumisant aussi, volume renversant, à voir. Je voulais tester les deux, donc on verra bien. Il me fallait aussi un crayon à sourcils, parce que j'ai quasiment fini le mien de chez Maybelline, que j'utilise depuis des années. Et là, je voulais tester celui de chez Anastasia, mais les teintes ne me plaisaient pas. Et en fait, je préfère la teinte numéro 5, Warm Black Brown, de chez Benefit, en fait. Donc du coup, crayon sourcil, définition ultra précise. Voilà, donc ils sont mignons comme tout, les petits packaging Benefit, c'est très flash, mais ouais, c'est sympa. C'est mignon. De ce côté, il y a le petit goupillon, ce qui est très pratique, et de l'autre côté, on a la petite pointe, et c'est une pointe fine, hein, tout à fait classique, vous verrez pas grand chose.
Mais moi, c'est ce que je mets sur mes sourcils. Et enfin, en dernier, j'ai pris dans les beiges de Chanel le Touche de Teint Water Fresh Complexion Touch en teinte 10, bien sûr, parce que j'ai en B10, pardon, parce que j'ai une carnation de bidet. Je suis explosée de fatigue. Là, je suis vraiment. Je pense qu'en deux jours, j'ai dû dormir 4 heures. Et encore pas en permanent, j'ai dû dormir 10 minutes à chaque fois. C'était vraiment pas évident. On a très mal dormi, puis voilà, je suis fatiguée. Donc c'est pas évident. Bref, ça fait que 20 ml. Ça fait même pas 30 ml le truc de Chanel. Ah ouais, ouais. Le chat est là parce qu'on a manqué au chat. Regardez où il est. T'es où? Milou, milou. Promain. Il a répondu à sa maman. Donc voilà, le Touche de Teint Water Fresh Complexion. Donc c'est les billes, vous savez, les micro-billes, hein, mais en version comme ça. Ça paraît vachement foncé comme ça, mais ça ne l'est pas autant. Il y avait un petit pinceau avec. Après, à voir s'il est bien, je pense qu'il peut être pas mal pour le contour des yeux. Il peut être pas mal, donc à voir, à tester. J'ai bien aimé la texture, là, tout. Donc voilà, voilà pour le petit haul Sephora et Yankee Candle. La fatigue est là. Du coup, je pense que ça va pas se coucher tard ce soir. J'espère que ce vlog vous aura plu. Il commence un peu plus terne que ce qu'il n'a commencé. Mais j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et est-ce que Chouquette a fait des gros bisous et qu'elle dit à bientôt? Et le tigrou, il dit au revoir ou pas? Rouin. Et Mac, Popiette. Mac, viens voir maman. Tu viens mon bébé? Non, maman. Non. Bah oui, tu m'étonnes à la saucisson, ouais. Ah bah voilà, la Popiette est là. Ah oui, oui, oui. Popiette. Elle est trempée, c'est déchiré. Ah bah oui, c'est fait la toile. Mon bébé, tu dis au revoir, viens, maman. Ça fait longtemps que tu t'appelles. Oula, t'es pas un chiot, hein. J'ai mouillé, tu vois. Oui, c'est. Ah oui, quand il était en train de faire sa toilette. On l'a coupé en pleine toilette. Tu dis au revoir. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no.